faites ça s'il vous plaît et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci. Aujourd'hui, on va parler d'une situation très intéressante. Ici, on a un commentaire de Naledi Pandor, une politicienne très forte sud-africaine, une maman qui inspire beaucoup. Et quand on parle à nos sœurs, on parle qu'il faut devenir une femme forte, une femme de présence. Je fais quelques parallusions à cette dame qui est très intéressante, une femme très intelligente, très lettrée, très instruite, une académique, une vraie intellectuelle. Intellectuel, c'est pas aller à l'université, hein, finir. Beaucoup de gens pensent que quand tu as un diplôme d'université, tu es intellectuel. Non. Être intellectuel, c'est beaucoup plus que ça. C'est une femme qui a un doctorat en je sais plus exactement quoi. C'est une femme forte. Une femme mariée, évidemment, maman de plusieurs enfants, qui respecte son mari. Ah oui, évidemment. Elle est la seule à cuisiner pour son mari. Donc, malgré ses compétences, son attitude, ses capacités, elle n'est pas devenue rebelle. Pour dire que voilà, désormais, indépendance, autosuffisance. Bref, elle vient de faire un commentaire qu'on va suivre très rapidement et on fera un commentaire là-dessus. Intertrade among African countries will definitely improve the development prospects of Africa. Là, elle parle du développement de l'Afrique, c'est-à-dire comment est-ce qu'il faut faire pour développer l'Afrique? Qu'est-ce qui développerait l'Afrique? Elle dit que le trade entre les Africains, c'est-à-dire les échanges économiques entre Africains, entre pays africains, c'est ce qui développera l'Afrique. Elle ne parle pas ici d'échanges entre Africains et Européens ou Africains et ailleurs, mais entre Africains d'abord, développera l'Afrique. And so it is vital that we have the logistics infrastructure, roads, railway, ports and even air capacity, which will assist us to enhance trade between ourselves as African countries. Donc, il est très important que l'Afrique ait des moyens d'infrastructures routiers, aériens, fluviales, peu importe. Tout ça, que ce soit synchronisé de fait, de manière à sorte que les correspondances, les échanges soient facilités. C'est-à-dire, on ne peut pas manager, évoluer, développer l'Afrique quand on est en incapacité de quitter en voiture de Douala, par exemple, à Nairobi ou de Nairobi à Kinshasa. Ce n'est pas possible. Il faudrait avoir des moyens, il faudrait avoir des infrastructures qui permettent. Pour ceux qui sont déjà été en Europe ou en Asie, par exemple, vous voyez que c'est très facile. Vous pouvez quitter la Belgique pour la France, poussière de moment. Donc, ça facilite les histoires très facilement. Il n'y a pas besoin d'attendre ou quoi que ce soit. Suivons ce qu'elle dit. We discussed, for example, the prowess of Cameroon in agriculture, but said in order for us to trade, we must value add, that we must refine those goods. So it's difficult to transport pure agricultural products. But if you have juice, if you value add, if you have agro-processing, if you have dried fruit, if you have grape juice, those things are then your product that you trade with. So we've agreed alongside agriculture, there must be agro-processing. Elle dit que si vous avez des produits très importants, par exemple, d'agriculture, on le sait, au Cameroun, par exemple, le Cameroun a une capacité d'agriculture énorme, éléphantesque. Ça ne servira pas à grand-chose si on est en incapacité de bouger cette nourriture ou ces produits agriculturels pour un autre endroit. Ça serait très difficile d'évoluer, de progresser si on est en incapacité de déplacer les histoires. Et pas seulement ça, il s'agit pas seulement de développer sur le plan agriculture et tout le reste. Il faudrait aussi avoir des plantes pour changer, transformer ces éléments. Donc, généralement, prenons un exemple, par exemple, en Côte d'Ivoire, on produit les cacao, au Ghana aussi d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui se passe avec le cacao? Le cacao est obligé d'être importé, exporté ou aller ailleurs. Aller en France, ou en Belgique, ou ailleurs, ou en Hollande, pour être transformé en chocolat. Le cacao est obligé de quitter l'Afrique pour aller ailleurs, pour être transformé. Mais avec ça, qu'est-ce qu'on perd? On perd d'abord l'argent de la transformation, on perd les possibilités d'emploi pour nos frères et sœurs dans ces plantes ou dans ces usines de transformation. On perd aussi beaucoup des choses, beaucoup d'éléments qu'on pourrait gagner à travers ces transformations. Donc, pourquoi l'Afrique devrait-elle rester comme ça, dans des conditions difficiles? Pour que l'Afrique se développe, il faut pas seulement qu'il y ait des produits, il faut qu'il y ait des routes, il faut qu'il y ait des usines de transformation instaurées et plantées en Afrique. Il faut en plus, pour tout ça, que les pays africains travaillent en collaboration, c'est-à-dire que le pays A qui a de l'argent travaille avec le pays B qui a le produit, et pas nécessairement entre Africains et pays étrangers. Alongside mining extraction, there must be beneficiation of our minerals. And it can't happen in Europe, it must happen in Africa. So this is what we've discussed, how we enhance the industrial productive capacity of the African continent
so that we trade on an equal basis with the rest of the world and between ourselves as Africans. Donc, c'est très important de voir et très inspirant de voir une telle femme s'exprimer avec beaucoup de force par rapport à ce qui se passe dans le monde. Naledi Pandor, il y a quelque temps, a fait un commentaire très intéressant face à Anthony Blinken, à son arrivée en Afrique, pendant qu'il faisait son voyage de balayage pour essayer de redorer le blason américain, terni par beaucoup de choses depuis un temps. But what will make the world work is if we respect each other. This is very, very important. And one thing I definitely dislike is being told either you choose this or else. When a minister speaks to me like that, which Secretary Blinken has never done, but some have, I definitely will not be bullied in that way. Nor would I expect any other African country worth its salt to agree to be treated. Elle a dit ouvertement, après que Blinken ait mentionné que tout pays qui tradera ou qui marchandera avec la Russie et autres pays sera sanctionné par les États-Unis. Elle a été très forte par rapport à ça. Et a dit ouvertement, on ne sera pas intimidé. Si vous venez chez vous pour discuter et nous présenter un plan intéressant, nous sommes ouverts de discuter avec vous, nous sommes disponibles. Mais si vous venez pour nous intimider, nous disant que vous faut choisir votre camp, sinon vous serez sanctionné par nous, alors nous ne serons pas là pour vous, voilà, pour vous accommoder dans cette démarche. Très forte comme femme. Une femme, mais très forte. Et encore une fois, elle a été celle qui s'est exprimée ouvertement en disant, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a un moment, il y avait des représentants d'Israël qui sont venus au Parlement africain comme observateurs, n'est-ce pas? Ils sont venus comme observateurs, disant les Israéliens sont observateurs dans le Parlement africain. Et elle était parmi les personnes qui se sont levées, disant non, on ne peut pas avoir des gens étrangers venir comme observateurs. Qui les a invités ici? Évidemment, et très récemment, il a demandé à ce qu'on diminue les relations diplomatiques entre l'Afrique du Sud et Israël par rapport à ce qui se passe là-bas. Et il faut être une personne catégoriquement forte pour avoir ce courage de dire les choses très ouvertement. Encore, elle a fait un commentaire disant que M. Poutine est ouvert et disponible, pourrait venir en Afrique du Sud quand il veut. It's a state of BRICS and is invited to the summit. And I think, as I've said previously, the ICC warrant is obviously a matter that is of concern. South Africa is a member state of the International Criminal Court, so we'll have to have a discussion in the context of cabinet to decide exactly how we respond. La démocratie, c'est respecter les gens, c'est respecter la façon, le modus operandi, la façon de vivre des gens. La démocratie, c'est pas venir imposer aux gens comment vous pensez que la vie doit être vécue. La démocratie, évidemment, c'est respecter le train de vie des gens. Mais ici, en l'occurrence, elle fait mention de ce qui est important pour l'Africain, pour que l'Afrique se développe. Les Africains doivent marchander avec les Africains. Les Africains doivent commercer avec les Africains, échanger, vendre, acheter chez les Africains. Et pour ça, il faut un niveau de confiance. Numéro 2, elle dit que les Africains doivent développer des infrastructures colossales et fiable, c'est-à-dire les routes, les voies aériennes, les trains, les dépôts, les transformations, les usines sont très importantes. Et c'est clair, regardez l'entièreté de l'Afrique. Les Africains, généralement, achètent des choses venant d'ailleurs. Il y a des pays ici, même l'allumette, on ne fait pas. Lame de rasoir, on ne fait pas. Stylo, on ne fait pas. On ne fait absolument rien, à part consommer. Donc l'Afrique est devenue, d'une façon ou d'une autre, un grand marché de consommation pour beaucoup d'entreprises internationales. Si vous regardez bien, vous ouvrez vos yeux, vous comprendrez que l'Europe est ailleurs. L'Europe et ailleurs n'ont pas grand-chose à offrir à l'Afrique. La seule chose qu'ils peuvent offrir, c'est vous faire croire que ce que vous avez n'est pas très important. Ce que vous avez ne valent pas grand-chose. Okay? Mais ce que nous avons à nous, ça a beaucoup plus d'importance. Regardez comment ce que vous appelez les brands, ce que vous appelez les griffes. Okay? Quand un Africain fabrique son habit, vous voulez acheter ça à moins cher, n'est-ce pas? Un habit comme ça, fait par un Africain, vous voulez acheter ça combien? À 5 euros. Mais quand ça vient de chez Gucci, on écrit Gucci, si vous voulez acheter combien? Vous êtes prêt à dépenser 500 euros ou 1000 euros par rapport à ça, sans discuter. Mais quand c'est un Africain qui vend à 15 euros, vous voulez diminuer le prix jusqu'à 7 euros. Pourquoi on en est arrivé là-bas? C'est parce qu'on nous a fait croire que ce qui vient d'ailleurs est nécessairement beaucoup plus important ou beaucoup mieux que ce que nous avons chez nous. C'est le même Gucci, c'est le même matériel, il n'y a rien de spécial. Celui-là vient d'ailleurs, celui-ci a été fait ici. Comme le disait Thomas Sankara, nous devons nous libérer de cette mentalité de pauvreté. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour avancer, pour se développer. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour progresser. Les infrastructures sont capables d'être construites. Mais il faut un changement radical de mentalité auprès des Africains pour que l'Afrique aille dans son bureau, aille dans son business, acheter à prix full. Au fait, quand vous avez un ami, il ne faut pas aller demander des réductions chez vos amis. Chez un vrai ami, vous allez acheter le full prix, vous augmentez même de l'argent dans son business, acheter à prix full. Au fait, quand vous avez un ami, il ne faut pas aller demander des réductions chez vos amis.
chez un vrai ami, vous allez acheter le full prix, vous augmentez même de l'argent. C'est parce que tu dis, bon, mon frère, je t'apprécie ton travail, j'achèterai, comme tu dis, c'est à 100$, j'achèterai à 150$. C'est ça, échanger. Et pas aller chercher des réductions parce qu'on se connaît. Absolument pas. La seule façon de libérer l'Afrique, l'Afrique doit être indépendante. Indépendante dans toutes les façons, c'est-à-dire sur le plan légal, sur le plan infrastructure, sur le plan local. On n'a pas besoin de tout ça. Clairement, c'est ça le message. Une femme forte, une femme définie, une femme qui représente le continent à un niveau international. Et je pense qu'il est important que beaucoup de personnes voient. Il suffit pas d'avoir de l'argent, construire un appartement et dire qu'on est femme forte. Non, il faut être forte. Cette femme, c'est une maman très intelligente, elle fait beaucoup plus d'école que son mari. Malgré ça, elle respecte son mari. Malgré ça, c'est la seule personne qui cuisine pour son mari. Personne ne touche de casserole ou le truc de son mari. C'est elle qui fait. Personne ne le fait à sa place. Avec beaucoup de respect, malgré son intelligence. Elle a 2 ou 3 PhD, mais a gardé la féminité africaine, a gardé la culture et défend farouchement. C'est-à-dire, une femme forte est une personne forte à l'extérieur, mais aussitôt qu'elle arrive à la porte de sa maison, elle redevient la maman de ses enfants. Naledi Pandor, encore une fois, salut.